وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre série d'explication des sourates du Coran al-Karim. Aujourd'hui, nous allons essayer, bi'idhnillah, d'expliquer Sourate al-Asr. Sourate al-Asr, elle n'est que de trois versets, mais ces trois versets-là ont des sens très lourds. C'est une sourate pré-égyrienne, Makkiya, qui est la 13e sourate à être révélée, où Allah tabarak wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa al-Asr, inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. En parlant de cette sourate, l'imam Shafi'i, rahimahullah, vous connaissez tous la parole qu'il a dit. Si Allah Ta'ala avait révélé cette sourate, elle suffirait comme preuve pour l'humanité. Car elle réunit l'essentiel de ce qu'Allah Ta'ala veut de l'être humain. Cette sourate, c'est une sourate que les sahaba, radiyallahu anhum, avaient l'habitude de réciter quand ils se séparaient de leurs assises, ou ça leur arrivait de réciter cette sourate quand ils se séparaient de leurs assises. Pourquoi cela? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a expliqué cela en disant quelle est la condition essentielle de la fraternité. Tout le monde parmi son assise a répondu, certains ont dit ceci, certains ont dit ce, chacun a tergiversé, a donné son avis. Et le Cheikh a dit la condition essentielle de la fraternité, c'est le bon conseil. Le bon conseil, la loyauté et le bon conseil envers ses frères. La fraternité en islam, elle doit être basée sur la loyauté et le bon conseil. Il a dit, c'est pour ça que les sahaba, radiyallahu anhum, citaient ou récitaient cette sourate en se séparant. Car leur fraternité et leur lien, ils étaient basés sur la loyauté et le bon conseil. Naam. Allah Ta'ala dit, wal asr. Allah jure. Subhanahu wa ta'ala, par l'asr. L'asr, en langue arabe, ça peut vouloir dire plusieurs sens. C'est pour ça que les savants ont divergé sur le sens de l'asr. Est-ce que l'asr, c'est le moment de la journée, c'est-à-dire la fin de la journée, le moment où prie la prière de l'asr? Est-ce que l'asr, c'est le temps en général, la vie, al-dahr? Et ce qui se passe dans cette vie, comme nuit et jour, et les œuvres des êtres humains qui sont pratiquées dans ce temps-là, dans ces nuits et ces journées qui se suivent les unes les autres. Wallahu a'lam, comme ici l'imam Sa'di l'a dit, de même que Cheikh Al-Uthaymin,
De même qu'Atiyya Salim, celui qui a fait Tatimma de Adwa al-Bayan de Mohamed Al-Amin al-Shanqiti, voit que la parole la plus juste, c'est l'Asr, c'est le temps en général. Comme il dit ici, l'imam Sa'di, c'est la nuit et le jour dans lesquels les serviteurs font leurs actes. Donc Allah tabarak wa ta'ala a juré par le temps. Et il n'y a qu'Allah qui a le droit de jurer par ses créatures. Allah yaf'alu ma yurid, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala le pourquoi ni le comment de ce qu'il fait. Wa hum yus'alun. Mais eux, ils sont questionnés. Nous, on est responsables de nos actes. Et un être humain, un mukallaf ou un djinn, n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou fait du polythéisme. Non. Donc, Allah ta'ala jure par le temps, parce que par la grandeur de tout ce qu'il s'y passe, comme œuvre, comme changement, comme action que les êtres humains font, bonne ou mauvaise. Donc il se passe beaucoup de choses dans le temps et dans la vie. Il a juré, subhanahu wa ta'ala, que l'homme est certes en perdition. Inna l'insana, l'insan ici, il est venu au singulier. Mais quand Allah ta'ala dit l'insan, le alif lam, c'est pour le genre humain. Tout être humain est dans la perdition. Est-ce que ça veut dire que les djinns ne sont pas concernés par cela? Non. Les djinns aussi sont concernés, comme il est venu dans d'autres versets du Coran, que s'ils n'obéissaient pas, ou qu'ils ne croyaient pas, etc., c'est-à-dire les mêmes conditions qui sont citées dans cette sourate, ou une partie de ces conditions, la foi et les bonnes actions, ils seraient aussi dans la perdition. Donc quand Allah Ta'ala dit ici, « Inna l'insana lafi khusr », l'humanité, car c'est les premiers, on va dire, concernés, mais les djinns aussi. Tout homme, tout djinn, c'est-à-dire toute personne responsable de ses actes. Et l'insan, c'est tout le monde, le musulman et le kafir, sauf quand Allah tabarak wa ta'ala accepte certains. Mais ici, cela concerne tout le monde. Inna l'insana lafi khusr. Donc Allah ta'ala ici a affirmé par trois affirmations et a appuyé clairement cette vérité-là. Premièrement, en jurant, wal asr. Deuxièmement, quand il a dit inna l'insan, l'ittawkid, pour appuyer. Inna l'insan, certes, l'homme, lafi khusr. L'âme ittawkid encore. Encore l'âme qui est utilisée dans lafi khusr pour appuyer encore une fois. C'est-à-dire, il a appuyé trois fois. Que Allah Ta'ala, il jure. Puis il appuie encore une fois. Puis il appuie une deuxième fois pour dire, certes, l'insan, le genre humain, les responsables, ceux qui sont responsables de leurs actes et qui seront questionnés le jour du jugement dernier, la fille khusr. Et même dans le fait qu'ils sont dans la perdition, il n'a pas dit fille khusr. La fille khusr, encore elle a utilisé la metawkid pour bien appuyer qu'il est clairement dans la perdition. Il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, l'être humain est perdant. Mais il a dit « et dans la perdition ». Ici, c'est « varfiyya ». C'est-à-dire que ça peut désigner un endroit ou un temps. C'est-à-dire que là, c'est pour appuyer encore plus que l'être humain, il est bel et bien dans la perdition. Il est tellement perdu qu'il est dans la perdition. Il est rentré dedans. Il est clairement dans la perdition. Regardez. Donc ça appuie encore plus le fait qu'il est dans la perdition, le fait qu'Allah Ta'ala a utilisé ici « fi varfiyya ». Donc il est plongé clairement et profondément dans la perdition, tout être humain. Cette perdition, barakallahu fikum, Allah tabarak wa ta'ala, il l'a cité dans plusieurs versets. Quelles sont ces perditions-là, quand il va manquer une des conditions que Allah ta'ala va citer dans le reste des versets? La perdition, elle peut être de plusieurs degrés. Il y a une perdition absolue, celui qui a perdu ce monde et l'au-delà, et qui a perdu tous les bienfaits, et que ça, il a mérité l'enfer. Et celui qui a une perdition sur certains points et pas d'autres, comme ceux qui se sont opprimés eux-mêmes en faisant des péchés. C'est clair qu'il a une perdition, mais ce n'est pas comme la perdition absolue, comme celui qui va être éternellement en enfer. Cette perdition, barakallahu fikum, c'est quoi? Quand ici on dit la fi khusr, il est perdant. Dans Dunya, quand on dit quelqu'un, il a perdu. Ah, j'ai perdu. Mais ici, la perte, elle est terrible. Vous voulez savoir qui sont les perdants? Allah le dit. Dis, certes, les perdants
sont ceux qui ont perdu leur personne et leur famille le jour du jugement. N'est-ce pas que ceci est la perdition évidente? C'est lui le perdant, barakallahu fikum. Le perdant, ce n'est pas celui qui a perdu un contrat, ce n'est pas celui qui a perdu un travail. Le perdant, c'est celui qui s'est perdu lui et sa famille le jour du jugement dernier. Le perdant, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le failli, celui qui a fait faillite de ma communauté. Quand il a dit, atadruna man il muflis, est-ce que vous savez qui est le failli? Les sahaba ont dit, le failli chez nous, c'est celui qui a dinar alahu wa la mata. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de bien. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur éclaircir qui est le perdant, qui est le failli, celui qui a fait faillite, qui a perdu. C'est celui qui vient le jour du jugement dernier avec des prières, avec des jeûnes, du pèlerinage, des aumônes. Mais il a insulté un tel. Il a maudit sur un tel. Il a frappé un tel. Il a fait couler le sang d'un tel. Il a accusé un tel. Alors on lui prendra une part de ses bonnes actions. Et encore de ses bonnes actions. Jusqu'à ce que quand ses bonnes actions seront épuisées, on prendra des péchés des gens à qui il a fait du tort. Et il lui sera jeté sur lui. Puis il sera jeté la face en première en enfer. Voilà qui est le perdant. Barakallahu fikum. C'est celui qui a perdu ce pourquoi Allah Ta'ala, il s'est égaré du chemin pour lequel Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Le perdant, ça peut être une perdition dans la foi à cause du kufr, ou une perdition dans l'islam à cause du manquement ou du fait de délaisser certains actes. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a expliqué cela dans d'autres versets du Coran. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala en parlant des kuffars qui ont perdu. Certes, si tu donnes quelconque associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tes actes seront annulés et tu feras partie des perdants. C'est la perdition absolue, éternelle. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah ta'ala a dit aussi, certes, on perdu ceux qui ont traité de mensonge la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la perdition quand on a des manquements dans les actes, quand la personne fait des péchés. Ça aussi, c'est une perdition. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ceux qui auront une balance légère, voilà ceux qui auront mené leur personne à leur perte. Naam. Et d'ailleurs, il y aura la balance des actions. Et c'est là qu'on verra est-ce que c'est assez lourd ou bien si la balance des bonnes actions est trop légère, donc cette personne aura perdu. Et il aura pris Shaytan comme allié. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, celui qui prend le Satan comme allié en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura certes perdu d'une perdition et d'une perte évidente. Et celui-là, il fera partie du parti de Shaytan, celui dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit, n'est-ce pas que le parti de Shaytan sont les perdants. Donc ça, c'est la perte en délaissant la foi ou la perte en délaissant les œuvres, la perte en délaissant le fait de s'enjoindre la vérité entre nous, qui est l'islam, et le fait de ne pas appeler à la vérité, qui est l'islam, et de ne pas suivre la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de cela, et celui qui agrée ou accepte une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et elle sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et il y a les perdants qui ne patientent pas aussi et qui ne s'enjoignent pas la patience, qui ceux-là aussi n'auront pas la réussite. Et Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ces gens-là en disant, il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala occasionnellement ou selon la situation. Quand un bien le touche, il est tranquillisé par ce bien. Mais quand une tentation ou un trouble le touche, il se retourne sur sa face. Il a perdu ce monde et l'au-delà. Voilà la perdition évidente. Donc la perdition, comme on va le voir, elle est pour toutes ces personnes qui ne vont pas avoir ce qu'Allah leur a demandé parmi les quatre points, quatre qualités essentielles que chaque personne qui veut être sauvée de la perdition doit avoir dans sa vie. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ » Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres,
s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance et la patience. Ces quatre points sont les quatre piliers pour être sauvé de la perdition. S'il venait à en manquer un, la personne, elle a une partie dans la perdition. Et s'il en venait à en manquer deux, elle aurait deux parties dans la perdition. Et s'il venait à en manquer trois parties, et les quatre, il est dans la perdition totale. Et la base, c'est la foi, bien sûr. S'il manque la foi, tout le reste est parti avec. Donc on a expliqué dans les versets qui sont passés auparavant, comment est la perdition dans chacun de ces cas-là. Celui qui est en perdition à cause du fait qu'il ait délaissé la foi, celui qui est en perdition à cause du fait qu'il ait délaissé l'a'mal, les actes, ou qu'il y a un manquement dans les actes, celui qui est en perdition à cause du fait qu'ils ne se sont pas enjoints à la vérité, ou qu'ils n'ont pas appelé à la vérité, qu'ils n'ont pas accepté la vérité, et celui qui est en perdition à cause du fait qu'il n'a pas enjoint et qu'ils ne sont pas enjoints à la patience et qu'ils n'ont pas patienté. Illa alladhina amanu, donc hadha istithna. Allah Ta'ala, il a désigné que tout, il a juré, subhanahu wa ta'ala, et affirmé que toute l'humanité, tous les responsables sont dans la perdition, sauf, il a excepté des personnes qui ont ces qualités-là. Donc ça veut dire, en dehors de ces personnes-là, tout le monde est dans la perdition. D'où l'importance de bien comprendre ces conditions-là et de les mettre en pratique. Illa alladhina amanu, ceux qui ont cru, qui ont la foi. La foi, barakallahu fikum, comme c'est la définition chez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ceux que l'on croit dans le cœur, que l'on atteste avec la langue et que les membres font, c'est-à-dire pratiquent, qui augmentent avec l'obéissance d'Allah et qui diminuent avec sa désobéissance. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une philosophie. La foi, ce n'est pas juste une attestation que tu as dans ton cœur. Oui, je crois. La foi, ce n'est pas juste tu dis avec la langue. La foi, c'est la croyance du cœur, la parole de la langue et les actes du corps ensemble. La yujzi ahaduhum anil akhar, comme il a dit l'imam Shafi'i. L'un ne peut pas prendre la place de l'autre. Les trois sont ensemble. Les trois font partie de Musamma al-Iman, de la foi. On ne peut pas avoir la foi sans ces trois-là. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé tout cela. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est bid'un wa sib'una wa sittuna. La foi est de 60 et quelques ou 70 et quelques branches. A'laha, son plus haut, qawlu, la ilaha illallah. Son plus haut, c'est une parole, qawlu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté la parole dans la foi. Il a dit que c'est une branche de la foi. Le plus haut, qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha, le plus bas, imatatul adha anit tariq. Retirer quelque chose de gênant du chemin. C'est un acte. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de la foi. C'est un acte du cœur. Donc, dans un hadith, il a parlé de la foi. Et il a dit que la foi, son plus haut, c'est une parole. Son plus bas, c'est un acte. Et que la pudeur, qui est un acte du cœur, une qualité du cœur, ça fait partie de la foi. Donc ce hadith en lui-même prouve que la parole, la croyance ou les actes du cœur et les actes du corps font partie de la foi. Par la parole du prophète alayhi salat wa salam. Et ceux qui retirent, ceux qui disent que la foi c'est qu'une croyance ou une croyance c'est une attestation, ils s'appellent les murji'a. Al-murji'a. Al-Murji'a, c'est qui? C'est les gens qui... Al-Murji'a, c'est-à-dire Arja'u al-Amal anil iman. Ils ont éloigné les actes de la foi. Ils n'ont pas fait que les actes font partie de la foi. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà Allah, tabarak wa ta'ala, dans le Coran, en parlant de la foi, il dit « Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum »
et qu'Allah ne va pas vous faire perdre votre iman, votre foi. Il parle de la salat ici. Donc il a dit, il a parlé, il a appelé la salat iman, la foi. C'est pour montrer qu'un acte, Allah Ta'ala, il l'a appelé iman. Et d'autres preuves que les œuvres font partie de musamma al-iman, de l'appellation de la foi, de ceux qui s'appellent iman, la foi. Barakallahu fikou. La foi, cette foi-là, elle a six piliers que Jibril alayhi salatu wassalam est venu nous enseigner en questionnant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Omar, bien connu. Il a dit, qu'est-ce que l'iman? Il a dit, c'est croire en Allah, en ses anges, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, en ses livres révélés, wa rusuli, en ses messagers, wa liyoumil akhir, au jour dernier, wa al-qadari khairihi wa sharrihi, et en la destinée bonne et mauvaise. L'iman et l'islam, ils peuvent avoir le même sens comme ils peuvent avoir des sens détaillés chacun. Quand l'iman et l'islam, ils sont cités dans les mêmes endroits, chacun a un sens détaillé. L'iman, il va parler des actes du cœur et des croyances, et l'islam, des actes du corps. Par contre, quand l'islam est cité seul dans le Coran, ou l'iman est cité seul dans le Coran et dans la Sunna, ça comprend les deux. Ça comprend le cœur et le corps et la langue. Est-ce que c'est clair? Donc dans ce hadith, c'est pour ça qu'on voit l'iman, les six piliers de la foi. L'islam, c'est ce qui est apparent. L'iman, c'est ce qui est caché. L'islam, c'est ce qui est apparent. L'attestation de foi, la salat, la zakat, le hajj, le jeûne. Donc quand ils sont cités dans le même texte, chacun a un sens précis. Le mot iman et islam. Par contre, quand ils sont cités dans des endroits différents, pas dans le même texte ou dans les mêmes phrases ou dans le même endroit, alors ce sont des synonymes. Iman veut dire islam et islam veut dire iman. واضح إن شاء الله؟ نعم. طيب إلا الذين آمنوا، sauf ceux qui ont la foi, une foi sans doute ni hésitation. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات et qui ont fait des bonnes œuvres. Il a pas dit وعملوا. عملوا des œuvres, tout le monde en fait. عملوا الصالحات, les bonnes œuvres. Une bonne œuvre, elle est reconnue à deux piliers essentiels. Sans ces piliers-là, c'est une mauvaise œuvre. Il n'y a qu'avec ces deux piliers, ces deux conditions, qu'elle s'appelle « amalun salih », une bonne action. Le premier, « at-tawhidu fi l'ibada ay al-ikhlas fi hada al-amal », la sincérité et le fait qu'on ne cherche que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette œuvre. La deuxième, « tawhid al-mutaba'a », le fait de suivre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de pratiquer cet acte. Sans ces deux conditions-là, ce n'est pas une bonne action, mais c'est une mauvaise action. Une bonne action, elle a besoin de ces deux conditions ensemble. Quelqu'un peut avoir une bonne intention, chercher le visage d'Allah, mais il ne fait pas l'œuvre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, ça s'appelle une mauvaise action. Ça s'appelle une bid'a. Quelqu'un qui fait une œuvre en apparence comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité il ne cherche pas le visage d'Allah, ça s'appelle de l'ostentation, ça s'appelle du shirk. Donc, vous voyez, quelqu'un qui ni suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ni il ne cherche le visage d'Allah, il a tout le mal en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité plusieurs versets pour affirmer ces deux piliers, ces deux conditions de validité et d'acceptation d'une œuvre. Parmi ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. » Les deux conditions, elles sont citées ici. D'accord ? Aussi, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où Allah ta'ala dit « Celui qui a créé la vie, la mort et la vie, pour vous éprouver, pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. » Al-Fudayl ibn Iyad a dit « Celui qui est le plus sincère et celui qui est le plus juste, c'est-à-dire le plus sur la sunna. » Voilà pourquoi Allah nous a créés, pour nous tester, pour voir si nos œuvres sont sincères avec le tawhid et ils sont faits dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Idan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ce n'est pas suffisant pour un musulman de s'en tenir
que à croire et faire les bonnes actions. Bien que tawassi et conseiller le bien et conseiller la patience, ça fait partie des bonnes actions. Mais là, Allah tabaraka wa ta'ala l'a précisé, isolé dans l'énonciation, dans le fait qu'il l'énonce, subhanahu wa ta'ala, pour montrer son importance. Donc, l'amal salih illa alladhina amanu wa amilu salihat, ce serait suffisant. C'est général. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Là, il a spécifié ou il a afrada, il a énoncé isolément chacune de ces actions qui font partie des bonnes actions pour appuyer leur importance et pour que ce soit bien clair pour chacun que cela ne suffit pas, que chacun parmi les musulmans ne s'occupe que de lui. Que conseiller le bien et déconseiller le blâmable et patienter sur le chemin des prophètes en conseillant le bien et déconseiller le blâmable, ça fait partie des bonnes actions et ça fait partie des meilleures bonnes actions en islam. D'ailleurs, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit aux compagnons un jour, vous lisez tous ce verset. Il dit, oh vous qui avez cru, occupez-vous de vos propres personnes. Ne vous feront pas de mal ceux qui seront égarés si vous vous êtes bien guidés. Et après, il leur a dit, mais pourtant, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et il a énoncé donc l'importance et la gravité, le châtiment que subissent les gens s'ils ne conseillent pas le bien, ils ne déconseillent pas le blâmable. Donc, oui, tu t'occupes de toi quand tu as fait ton devoir. Quand tu as conseillé le bien, tu as déconseillé le blâmable et après les gens ne sont pas guidés. Après cela, ne te feront pas du mal ceux qui te sont égarés si vous, vous êtes bien guidés. Il a voulu bien expliquer que ce verset ne voulait pas dire qu'on n'est pas responsable de conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Non. Wa tawassaw bil haqq. At-tawassi, c'est le fait de s'enjoindre. Le fait de s'enjoindre, de se conseiller. On a dit tout à l'heure, le sahaba, quand ils se quittaient, ils lisaient ce verset, ils lisaient cette sourate quand ils étaient en assise. Et que Cheikh l'Albani, il a dit pourquoi ils lisaient cette sourate. Car, pour eux, ils voyaient qu'une des plus grandes conditions de la fraternité, c'est al-nasiha, le bon conseil, la loyauté. Ton ami, c'est celui qui te dit la vérité, ce n'est pas celui qui dit toujours que tout ce que tu dis est vrai. Celui qui te veut ton bien, il te dit la vérité. Celui qui veut juste profiter de toi ou alors votre amitié, elle n'est pas sur, basée sur l'islam, il va te dire ce que tu veux entendre, ce qui te plaît. Toujours il va dire oui, t'as raison. T'as raison, tu dis le faux, t'as raison. Tu dis le vrai, t'as raison. T'es juste, t'as raison. T'es injuste, tu as raison. Ça c'est la base des hizbiyyin, des sectaires. Qui sont là, ils se défendent les uns les autres dans le vrai ou dans le faux. Ils se sont mis d'accord pour se défendre dans le vrai ou dans le faux, ils sont là, ils se défendent les uns les autres. Peu importe. Et ça, ce n'est pas une vraie amitié. Ce n'est pas la fraternité en islam. Ce n'est pas la fraternité en Allah. La fraternité en Allah, elle est mabniya ala nasiha, à la loyauté. Aimer le bien pour ton frère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même comme bien. Tu aimes pour toi d'être dans la vérité. Comment tu peux aimer pour ton frère qui soit dans le faux? Tu aimes pour toi, te repentir à Allah, revenir quand tu fais des erreurs. Comment tu peux aimer pour ton frère qu'il reste sur son erreur? Tu dois aimer pour toi et pour lui, revenir dans la vérité. La vérité, elle est plus chère que tout. Et la vérité, elle mérite plus d'être suivie. C'est ça, se conseiller la vérité. C'est ça la fraternité, construite sur la nasiha, sur la loyauté, sur le bon conseil. Barakallahu fikum. Naam. Et c'est ça, un bon ami. Quand tu es dans le vrai, il t'aide, il t'encourage. Quand tu faiblis, il te renforce. Quand tu te trompes, il te rappelle. C'est ça un vrai ami. Et quelqu'un qui est là juste pour t'accompagner dans le vrai, dans le faux, pour faire tes choses de dunya ou même les choses de din, ou le haram, ou le halal, ou la bid'a, ou la sunna, ça c'est pas un ami. Ça c'est un compagnon de l'enfer. Nas'Allah salam wa l'afiyah. Sauf si Allah nous couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal haqq, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant du Coran, wa bil haqq anzalnahu wa bil haqq nazal. Et en vérité, on l'a descendu et il a été descendu avec la vérité. Donc le haqq, c'est quoi? Tawassi bil haqq, c'est en s'enjoindre au Coran. S'enjoindre aux appels du Coran. Ou à la sharia en général. C'est-à-dire le Coran, il nous appelle à suivre la sunna. Donc, al-haq, c'est la sharia. Al-haq, c'est la loi d'Allah. Al-haq, c'est ce qu'Allah a légiféré pour ses serviteurs comme croyance, comme base, comme fondement et comme détail dans les œuvres. C'est ça, al-haq. Donc, al-tawassi bil-haq, c'est de s'enjoindre à suivre la sharia, de s'enjoindre à suivre le livre d'Allah,
de s'enjoindre à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'enjoindre à suivre le pas des salaf salih, des pieux prédécesseurs. C'est ça, at-tawasi bil haqq. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala a dit, on a certes révélé sur toi le livre en vérité. Adore donc Allah sincèrement en lui vouant un culte sincère, subhanahu wa ta'ala, un culte exclusif. Naam. Allah tabarak wa ta'ala a dit aussi ce pourquoi, avec quoi il a envoyé tous les messagers, tous les prophètes qui sont venus avec la vérité. Donc Allah tabarak wa ta'ala a dit, il vous a légiféré, il vous a instauré de la religion, ce qu'il a enjoint à Nuh, puis ce qu'il a enjoint à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce à quoi il a enjoint Ibrahim et Moussa et Isa, de mettre en pratique et d'établir la religion et ne pas vous diviser dans les affaires de la religion, de vous unir. Et c'est ça, Ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus et du groupe. C'est-à-dire, ils suivent la sunna et ils s'unissent autour de la sunna. Ils ne suivent pas la bid'a, ils s'unissent autour de la bid'a. Ils ne suivent pas un groupe, une secte, un dirigeant, ils s'unissent autour de ce dirigeant. C'est-à-dire un dirigeant dans une pensée, je parle. Je ne parle pas du dirigeant, le gouverneur. Le gouverneur, bien sûr. On s'unit autour de l'obéissance du gouverneur, tant que c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc c'est ça, tawasi bilhaq. Wa tawasaw bisabr, et qui s'enjoignent mutuellement à sabr, la patience. Les savants ont partagé, pour expliquer le sabr, en trois catégories. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter envers les interdits et patienter face à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être douloureuse. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Ô vous qui avez cru, espérez ou patientez et encouragez-vous ou bien concurrencez-vous, augmentez, c'est-à-dire la patience. Et warab et tout ici c'est dans le sens et faites constamment les bonnes actions. Suivez les bonnes actions l'une après les autres et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, certainement vous récolterez la réussite. Les bonnes actions, ça demande de la patience. Ça demande de combattre la fainéantise. De combattre la faiblesse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré clairement qui était le croyant fort. Celui qui est plus aimé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le croyant faible. Le croyant fort, c'est celui qui demande avec force ce qui est bénéfique pour lui. Et prend aide, prend appui auprès d'Allah et ne faiblit jamais. Et s'il t'arrive un malheur ou une difficulté, ne dis pas « si j'avais fait telle chose, ce serait comme ça ». Car « si », le fait de dire « si » ouvre la porte aux actes, aux œuvres de Shaytan. Mais dis plutôt « Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait ». Ou bien « voici la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait ». Subhanahu wa ta'ala. Voilà comment est le croyant. Il lui faut de la force. Il lui faut de la patience pour dans l'obéissance d'Allah. Car il y a certains ordres d'Allah dans lesquels il y a une certaine difficulté morale ou une difficulté physique, mais qui est toujours une difficulté qui est supportable. Car Allah tabarak wa ta'ala ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Donc tout ce qu'Allah nous a obligé de faire, cela veut dire que c'est dans nos capacités. Sinon il ne l'aura pas rendu obligatoire. S'il l'a rendu obligatoire pour tous les hommes, c'est qu'on est capable de le faire. Pas comme certains le comprennent. Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Ah, je supporte pas, je fais pas salat. Ah, je supporte pas, je mange le haram. Ah, je supporte pas, je délaisse les obligations. Là, ça c'est les compréhensions des égarés, des gens qui suivent leur passion. C'est pas la compréhension du Coran, barakallahu fik. La compréhension du Coran, c'est que tout ce qu'Allah t'a chargé, c'est que tu es capable de le faire. Est-ce que vous savez pourquoi ce verset a été révélé? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Car avant ça, Allah tabarak wa ta'ala a dit, à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre, si vous dévoilez ce qu'il y a en vous-même ou vous le cachez, Allah vous en demandera des comptes. Les sahaba, quand ils ont entendu ça, ils se sont mis à genoux, accroupis. Ils ont dit, ya Rasulallah, Allah il nous a demandé le djihad, on a obéi. Allah il nous a demandé si, on a obéi. Il va nous questionner sur même ce qu'on cache en nous-mêmes. On ne peut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Dites sami'na wa ata'na ». Dites « On a entendu et on a obéi ». Ne commencez pas à tergiverser. Est-ce que vous voulez dire comme les juifs « Sami'na wa asayna »?« On a entendu et on a désobéi ». Dites « Sami'na wa ata'na ». Même une chose qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de faire,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré comment le musulman se comporte face à un ordre d'Allah. J'ai entendu, ya Allah, et j'ai obéi. Même je sais que je ne suis pas capable. J'ai entendu, j'ai obéi. Je le dis au moins avec ma langue. J'essaye. Les sahaba, ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de maîtriser ce qui se passe dans leur poitrine. Mais ils ont obéi à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, sami'na wa ata'na. Quand leur langue, comme le hadith dit, elle s'est pliée à le dire, Allah leur a allégé. Et il a abrogé cette règle-là. Et il leur a dit, La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis. Et elle a contre elle ce qu'elle a acquis comme mal. Donc, il leur a dit par ce verset que ceux qui se passent dans leur poitrine ne seront pas jugés par ça. Alhamdulillah. Mais ils ont dit Sami'na wa ata'na. Donc voyez ce verset pourquoi il a été révélé. Il n'est pas été révélé comme les gens aujourd'hui l'utilisent. Dès que tu lui dis quelque chose, aïe akhiz, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Elle enlève le hijab, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ils font le haram, la yukallifullahu nafsan. Et ce verset, ils le connaissent. Hein. Ils le connaissent mieux que la Fatiha. Ils le disent même en arabe, même les non-arabophones. Ils te l'écrivent en phonétique, ils te l'envoient par mail. Et l'homme, subhanallah, il penche vers ses passions. Et alors qu'Allah Ta'ala a dit, il n'y a pas plus égaré que quelqu'un qui prend ses divinités comme passion. Il n'y a pas plus égaré. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Donc, la patience dans l'obéissance. L'obéissance, elle demande une patience. Quand tu fais le hajj, tu as une patience, tu dois patienter, tu vas dépenser de l'argent. Tu vas supporter, tu dois marcher, tu dois tenir à certains endroits, tu dois faire la circumambulation, tu dois supporter la foule, tu dois supporter le voyage. Donc il y a une patience nécessaire. Sans cette patience, tu ne peux pas faire cette obéissance-là. La salat, c'est pas très fatigant, mais voilà. Parfois, tu dois faire les ablutions, il fait un peu froid. Tu vas te lever, tu vas prier. Quand tu es très fatigué, ça demande un certain effort de concentration pour pouvoir bien la faire. Donc, il faut de la patience. Il y a une certaine difficulté, mais une difficulté qui est surmontable, qui est acceptable. Une difficulté que tout être humain peut supporter, sauf les cas exceptionnels. Et il est venu de terfif, il est venu même l'allègement pour ces cas exceptionnels. Quelqu'un qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Quelqu'un qui ne peut pas prier assis, il prie sur le côté. Quelqu'un qui ne peut pas jeûner, il rattrape. Quelqu'un qui ne peut pas jeûner du tout, il nourrit des pauvres. Il a des, alhamdoulilah, des allègements. Donc, il faut cette patience-là dans l'obéissance. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est patienter face aux interdits. La mêlée, elle appelle au mal. Sauf ce qu'Allah Ta'ala fait miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah Ta'ala ne nous soumette pas à notre âme bestiale. Car sinon, on serait perdu. L'âme bestiale, elle a attiré vers le mal. Vers les passions, vers les interdits. Il passe dans la rue, passe à côté de lui, des femmes. Allah lui a ordonné de baisser ses yeux. Mais ses passions, elle lui demande de regarder et de suivre le regard. Donc il a besoin de cette patience pour s'empêcher de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, certains sont éprouvés par le fait qu'ils sont passionnés par certaines choses interdites ou qu'ils avaient l'habitude de faire ces interdits-là auparavant. Alors, il a besoin de patience pour supporter cet appel de l'âme bestiale. Cet appel de l'envie, de l'habitude de retourner ou de revenir à ces choses-là. Donc ça aussi, cela demande de la patience. Celui qui a la foi, alhamdoulilah, qui patiente, il va baisser ses yeux. Et il sait que regarder, ça va lui faire que du mal. Premièrement, il va avoir la foi qui diminue. Un point noir va se fixer sur son cœur. Allah va être en colère contre lui. Et cette femme, elle ne lui appartient pas. Donc, il regarde pour rien. Il va être frustré parce qu'il regarde quelque chose auquel il ne peut pas avoir accès. Non, ça ne sert à rien. Donc, il baisse les yeux. Allah Ta'ala, il va lui donner une douceur dans son cœur. Il va lui augmenter sa foi. Un point blanc va se fixer sur son cœur. Et Allah va être satisfait de lui. Et il ne sera pas frustré. Et Alhamdulillah, quand il rentre chez lui, il va être content de retrouver son épouse. Voilà. Donc, il faut peser le pour et le contre.
S'il n'y a pas cette patience-là, la personne, elle va faire quoi? Elle va regarder. Elle va regarder. Ces regards-là, ça va lui faire du mal dans sa foi, dans sa vie, dans tout. Et après, son âme, même sa pensée, elle va être occupée. Shaitan, il revient. Peut-être tu ne penses pas à ça. À un moment ou à un autre, il te ramène l'image de ce que tu as vu dans la rue. Dans la salade, dans un moment où tu dois te concentrer, dans je ne sais quoi. Et Allah, une image de Shaitan qui vient devant toi. Tout ça à cause de toi, de ton âme bestiale, car tu n'as pas patienté quand elle t'a appelé à faire l'interdit. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Tous les interdits sont comme ça. La troisième catégorie de patience, c'est de patienter face à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut être douloureuse. C'est-à-dire aux épreuves, aux difficultés de la vie. La plupart des gens, ils connaissent que ce sens-là. Ils ne connaissent pas les deux premiers sens. Pour eux, patienter, c'est sur seulement le fait quand j'ai des épreuves, je patiente. Mais même ce troisième sens, ils ne le comprennent pas. Pour eux, patienter, c'est quoi? C'est ne rien faire. Ah, je patiente. C'est-à-dire, il ne fait rien. Je patiente. Ce n'est pas ça, patienter, barakallahu fik. Patienter, ça ne veut pas dire rien faire. Cela veut dire faire ce qu'Allah veut et ne pas faire ce qu'Allah ne veut pas. Patienter, ça ne veut pas dire rester inactif. Patienter, c'est de ne pas dire et de ne pas faire et de ne pas penser des choses qui déplaisent à Allah. Et ne pas être patient, c'est dire, faire ou penser même quelque chose qui déplaît à Allah. Même tu fais rien. Si dans ton cœur, tu penses qu'Allah il a été injuste, wal'iyadu billah, tu n'es pas patient. Et tu as un grave péché, c'est-à-dire tu accuses Allah d'être injuste. Donc, face aux épreuves, il y a quatre manières de réagir. Face aux épreuves de la vie, l'être humain peut réagir de quatre manières. Une manière, elle est interdite et ça fait partie de la personne qui ne patiente pas. Et trois manières, c'est les degrés dans la patience. Le degré le plus bas de la patience, le degré intermédiaire et le plus haut degré. La première manière, c'est le fait de se fâcher quand des épreuves nous arrivent. Le fait de ne pas patienter. Et cela se visualise ou se voit d'une des trois sortes. Ou bien par une parole, ou bien par une pensée, c'est-à-dire une pensée qui se répète, pas juste une pensée qui passe et qui part. Ou quelque chose que tu penses, que tu crois, ou bien par des actes du corps. La parole, c'est que la personne, elle dise des paroles dans lesquelles il y a des choses qui montrent qu'il est impatient, qu'il n'accepte pas la situation. Comme le fait qu'il appelle le malheur sur lui. Comme le fait d'insulter la vie. Comme le fait de dire « qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça ?» Ça, cela veut dire que tu n'es pas patient. Et ça peut aller même plus loin. Ça peut être une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas direct. Car quand tu insultes la vie, tu insultes qui? Qui dirige cette vie? Allah. Allah ta'ala dans le hadith Qudsi dit « c'est moi qui suis cette vie, cette vie-là, c'est moi qui la régis. J'entoure le jour et la nuit. » Dans d'autres versions et même dans ce même hadith, qui dit « mon serviteur, il m'insulte quand il insulte le temps ou il insulte la vie. » Donc, barakallahu fikum. Quand quelqu'un insulte la vie, il insulte indirectement Allah. Car celui qui dirige la vie et qui décide de ce qui se passe dans la vie, c'est Allah. Donc, quelqu'un qui dit « quelle vie misérable » ou avec des mots pires que cela, etc., celui-là, il a fait un péché et celui-là, il n'est pas patient. La deuxième manière, c'est une croyance. Même il ne dit rien, même il ne fait rien. Tu as l'impression en apparence qu'il patiente. Mais dans son cœur, il a une haine envers Allah, astaghfirullah. Ça arrive. On rencontre beaucoup de gens comme ça, qui ont eu des malheurs dans leur vie, qui ont perdu un proche. Quand tu discutes avec lui, tu vois qu'il a une haine envers Allah. Subhanallah. Comment il a une haine envers son créateur? Yaqdahu fi hikmatillah, subhanahu wa ta'ala. Il critique la sagesse d'Allah. Allah ta'ala, il est sage. Il ne t'a pas enlevé cette personne sans raison. Et tu le vois qu'il a une haine. Pourquoi moi j'ai perdu mon proche? Et pourquoi j'ai perdu mon père? Et pourquoi j'ai perdu mon enfant? Il ne te le dit pas, mais il le pense. Mais un jour ou l'autre, quand il discute avec lui, parfois ça sort. Ou qu'il pense dans son cœur, Allah il est injuste avec moi, je ne mérite pas ça. Je ne fais que le bien et je n'ai que des problèmes. Penser ça, c'est contraire à la patience. Et c'est aussi, c'est comme si on critiquait la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est sage. Derrière toute décision, derrière toute destinée, il y a une sagesse. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Rien. Derrière un mal, il y a un bien absolu.
ce bien absolu, c'est qu'on est tous éprouvés et qu'on va tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mal pour nous, c'est un mal nisbi, relatif. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est un bien. Le mal, il ne t'appartient pas, on dit Allah. Car en vérité, tout ce qu'Allah il fait, c'est du bien. Même si pour toi, tu vois que c'est du mal ou relativement, c'est du mal. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est du bien. Même la création de Shaitan, il est mauvais, mais dans l'absolu, c'est du bien, car c'est pour l'épreuve de l'être humain, et pour que l'être humain fasse ce pourquoi Allah il a créé sur terre, et pour que certains entrent au paradis, autres en enfer. Donc dans l'absolu, c'est du bien. La troisième manière de ne pas patienter, c'est avec le corps. En se frappant le visage, en cassant tout, en déchirant ses vêtements, en s'arrachant les poils, ou la barbe, ou les cheveux. C'est pour ça qu'elles sont interdites de visiter trop souvent les cimetières, qu'elles sont plus sensibles. Et elles se maîtrisent moins au moment de la perte de quelqu'un. Elles peuvent moins se maîtriser. Donc, si une femme, même pour ceux qui autorisent parmi les ulama, qu'une femme aille au cimetière, c'est à condition qu'elle sache qu'elle ne va pas, qu'elle est capable de se maîtriser. Même ceux qui l'autorisent. Mais, c'est clair qu'y aller souvent, hadahu al-manhiyu anhu, le fait de prendre cette habitude tout le temps. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Voilà pourquoi aussi dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cite les niyaha, les femmes pleureuses, etc. Parce qu'en général, c'est plus présent chez les femmes. Mais il y a des hommes aussi aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont plus faibles que les femmes. Ils supportent moins les épreuves, ils sont sensibles, ils suivent leurs sentiments beaucoup plus que les femmes. Alors qu'à la base, un homme, il est raisonné, il est posé, il est plus fort. C'est ça là, pourquoi Allah Ta'ala lui a donné le qawam, il lui a donné la direction de la maison. C'est qu'à la base, il est censé être plus solide, plus fort face aux épreuves et qu'il va devancer sa raison par rapport aux sentiments. Alors que la femme, la plupart du temps, ses sentiments, ils prennent le dessus. Et ça, c'est une qualité à double tranchant. C'est une qualité, alhamdoulilah, car c'est ces sentiments-là qui aident à ce que la femme, elle s'occupe bien de ses enfants, à ce qu'elle soit douce avec son mari, à ce qu'elle soit obéissante, à ce qu'elle soit au service de son père. Souvent, tu trouves les filles, les frères, ils sont occupés dans le travail, les filles, machallah, elles sont au service de leur père, de leur mère pendant des années. Ça, c'est une qualité, mais une qualité à double tranchant. Quand c'est face aux épreuves, ces sentiments-là, ils prennent le dessus. Parfois, elles ne se maîtrisent pas, elles regrettent après. Naam. Fahakada, voilà les trois manières de réagir qui ne font pas partie de la patience. Donc, on a dit, ça, c'est les trois degrés, que ces trois façons-là, ou seules, ou réunies, les personnes qui ont fait cela, elles sont dans le péché et elles ne sont pas comptées parmi les patientes. Et dans certaines paroles et certains de leurs actes ou certaines de leurs pensées, il peut même y avoir une insulte indirecte ou directe envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers sa sagesse. Naam. Je voulais dire, barakallahu fikoum aussi, que parfois, je donne des exemples, je dis les femmes, etc. Il ne faut pas mal le prendre. Ça, c'est malheureusement, en fait, c'est une... Je fais exprès de faire cela. Pourquoi ? À cause de la da'wa qui est en Europe de donner à la femme la place de l'homme et de donner à l'homme la place de la femme. Donc cette manière de reprendre sur certains comportements ou certaines dérives, des fois, parfois avec un peu, d'une manière un peu directe, c'est, Inch'Allah, en cela, j'espère viser que les sœurs, Inch'Allah, les sœurs, elles ne sont pas concernées par ces paroles que je dis. Car les sœurs, elles ne sont pas, elles n'ont pas ces défauts-là qu'on énonce, Inch'Allah. Où elles en sont, elles sont moins concernées par ces défauts. Mais on parle des gens qui sont égarés et qui ont ces défauts qui sont très répandus chez les femmes. Donc, Inch'Allah, ça c'est... Il ne faut pas que les femmes, Inch'Allah, elles le prennent mal. Et ça, c'est voulu de ma part. C'est justement cette da'wa, cet grand appel qui est en Europe ou en Occident en général, de vouloir dénaturer la femme, de lui donner des croyances, des habitudes, même une place dans la famille qui n'est pas la place que l'islam lui a donnée. Et ça dénature et ça déséquilibre toute la famille, la cellule familiale et la société musulmane. Et c'est pour ça que souvent je reviens dans beaucoup de points, je donne des exemples qui sont liés aux femmes. Pour qu'Inch'Allah, si elles sont touchées, elles sont concernées par les paroles que je cite, qu'elles sachent alors qu'il faut corriger ces manquements-là. Si elles ne sont pas concernées, alhamdulillah, donc ça prouve, Inch'Allah, qu'elles sont corrigées, que ce sont des bonnes musulmanes, qu'Allah les préserve. Naam. Donc, on a parlé de la première manière de réagir qui est mauvaise. Cette personne qui ne patiente pas face à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a tout perdu. Premièrement, le malheur qui l'a touché ne change pas, il est toujours là. Donc, il s'est fâché ou il ne s'est pas fâché, ça n'a rien changé, subhanallah. Deuxièmement, il a un péché de cette manière de réagir.
car il a mis Allah en colère, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. La grandeur de l'épreuve, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Et quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui est satisfait, il aura gagné quoi? La satisfaction d'Allah. Et celui qui se met en colère, falahu sakhat, il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui réagit mal face à la destinée, cette personne, à la place d'avoir été touchée par un malheur, elle se voit maintenant touchée par deux malheurs. Ce malheur qu'il l'avait touché, plus le fait qu'il a un péché en plus de cela. Naam. Et même on peut donner même un troisième malheur, c'est qu'il vit mal cette situation et que ça lui sera encore plus douloureux que s'il avait agréé et été satisfait de ce qu'Allah a destiné. Naam. La deuxième manière de réagir face aux épreuves et à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de patienter. Même si au fond de notre cœur, on n'aime pas cette épreuve qui nous a touchés et on aurait préféré qu'elle ne touche pas. Mais on ne pense pas à quelque chose qu'Allah déteste. On ne dit pas avec la langue une chose qui déplaît à Allah et on ne fait pas avec les membres une chose qui déplaît à Allah. Ceci est le plus bas degré de la patience. Et alhamdoulilah, celui qui réagit comme ça, il est considéré parmi les sabirin. Parmi les sabirin, parmi les patients. Et Allah Ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, « Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. » Certes, seuls les patients recevront leur récompense sans compter. Comme il est venu dans le tafsir, ils vont avoir des récompenses par l'eau, sans compter comme ça, des lots et des lots de hasanat. Man as-sabirun, les patients. Ces gens-là, qui ont ce minimum au moins de degré de patience, ils ont, inshallah, toutes les récompenses qui sont citées dans le Coran et la Sunna qui parlent des patients. Et ils sont des patients, inshallah. Mais c'est le plus bas degré de patience. Voyez ? Il y a un degré intermédiaire qui est au-dessus de celui-ci. C'est la personne qui est satisfait par ce malheur qui l'a touché. Il est satisfait. Son état avant l'épreuve et son état après l'épreuve, c'est la même. Ça ne change rien pour lui. Il n'est pas triste. Il n'est pas déçu. Il n'est pas insatisfait parce qu'Allah a destiné. Il est satisfait. Yarda. Ça, c'est encore un degré supérieur. En plus du fait qu'il patiente, il est satisfait. Et hada, c'est un degré supérieur. Et lui, il a le hadith. Celui qui est satisfait, Allah sera satisfait de lui. Donc, il a la promesse d'avoir la satisfaction d'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Wa nas'Allah la'afwa la'afiya ala kulli hal. An la yabtaliyana. Naam. Et un degré qui est encore plus haut que celui-ci, qui était le degré du prophète Muhammad alayhi salat wa salam, et de ceux parmi ses frères l'Anbiya ou al-Mursalim comme Ayyub alayhi salat wa salam et d'autres, c'est le fait de louer Allah et de remercier Allah pour cette épreuve. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith sahih, quand il voyait quelque chose qui lui déplaisait, il disait quoi? Alhamdulillahi ala kulli hal. La louange appartient à Allah dans toutes les situations. Et effectivement, quelqu'un à qui Allah Ta'ala a ouvert son cœur à l'iman, à la foi, et qui lui a donné la clairvoyance, il sait que ce qu'Allah va lui donner comme récompense pour ce malheur qui l'a touché est beaucoup plus grand que ce que Allah vient de lui prendre. Donc il remercie Allah. Il remercie Allah, c'est normal. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ. C'est comme si je te prends 10 euros pour donner 1000 euros. Tu me dis merci ou tu es mécontent? Tu es content, tu me remercies. هَكَذَا. Quand Allah Ta'ala, il te prend une chose que tu aimes, ou il t'éprouve dans une chose que tu aimes, et que tu patientes, et que tu remercies Allah, et que tu patientes, déjà il te récompense. Donc quand tu sais qu'Allah, il va te donner mieux, donc un vrai croyant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va remercier Allah. Subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait qu'Allah va lui donner mieux dans ce monde, min halawatil iman, de douceur de la foi, de plaisir dans l'obéissance d'Allah, et mieux dans l'au-delà comme récompense. Subhanahu wa ta'ala. Et peut-être même il lui remplace dans ce monde quelque chose de mieux. Hakadha barakallahu fikum. Voilà comment le croyant doit se comporter. Et voilà les qualités du croyant. Et voilà ceux qui ne sont pas parmi les perdants. Illa alladhina amanu, ceux qui ont la foi, qui ont la réalité de la foi.
sans aucun doute, avec les piliers de la foi, etc. Ceux qui ont وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ et qui mettent en pratique cette foi bin kamal iman, en faisant même toutes les bonnes actions comme il faut et en rajoutant des œuvres surrogatoires, etc. Et وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ et qui se conseillent mutuellement la vérité qui est la sharia, qui est le fait de suivre le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pas de nos pieux prédécesseurs radiyallahu anhum, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a loué et ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était les meilleurs des gens et les meilleurs de cette communauté, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ et qui se conseillent, qui s'enjoignent mutuellement la patience, sabr. Voilà pourquoi l'imam Shafi'i a dit cela, ce qu'on a dit au début du cours sur cette sourate. Que si Allah avait descendu comme preuve pour l'humanité de cette sourate, ça aurait suffi. Et effectivement, elle englobe la généralité de ce que l'islam est venu demander à l'être humain. De croire, de faire les bonnes actions, de se conseiller le bien et de patienter. Car la patience, c'est nécessaire. Pourquoi Allah Ta'ala a cité la patience liée avec l'appel à la vérité? Se conseiller la vérité. Car comme Allah Tabaraka Ta'ala dit quand il parle de Luqman, quand il dit à son fils, alors qu'il est en train de l'enjoindre, conseille le bien et déconseille le blâmable et patiente sur ce qui va te toucher. Car cela fait partie d'une bonne résolution. Et subhanallah, il est clair que celui qui va faire la da'wah ilallah, il va être éprouvé. C'est pour ça que les prophètes et les messagers sont les gens qui ont été les plus éprouvés. C'est pour ça que les ulama, les mujaddidin, les réformateurs qui sont venus derrière les prophètes, qui sont les héritiers des prophètes, ce sont les gens les plus éprouvés. C'est pour ça que que les prophètes, comme on voit, donc comment ils ont été combattus, certains parmi les prophètes, والسلام, certains on les a pris, on les a mis dans un trou, ils les ont sciés en deux. D'autres, ils les ont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certains pour leur foi, ils ont subi, on leur a arraché leur chair. Certains, ils ont été tués. Certains, ils ont été torturés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il a subi d'insultes? Combien ils ont essayé de le tuer? Ils l'ont empoisonné, ils l'ont ensorcelé, ils lui ont cassé sa dent, il a perdu ses proches, ses bien-aimés, sallallahu alayhi wa sallam. Il a supporté tout ça pour Allah. Un prophète qui est véridique, qui est sincère, qui veut le bien pour les gens, quelle chose plus douloureuse que le traiter de sorcier et de menteur? Quelque chose de plus douloureuse que de le rejeter comme un paria? Et derrière lui, les sahaba radhiyallahu anhum, ils ont enduré pour transmettre la da'wah, ils ont combattu fi sabilillah. Et derrière encore, les tabi'in, tabi'in, les imams parmi les salafs qui ont appelé à la vérité, qui ont supporté les difficultés. Parmi eux, imam Ahl-Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, quand il a été éprouvé par Fitnat Khalq al-Qur'an et qu'il a été châtié et que certains lui disaient « Prends la roursa, prends la facilité, dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre, tu es contraint. » Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Les gens vont dire « Ahmed a dit ». Il préférait sacrifier de sa vie plutôt que dire cette parole, bien qu'il avait la rursa, qu'il pouvait avoir cette permission. Mais comme on a dit, dire une parole de kufr sous la contrainte, même si c'est autorisé, les grands savants et les gens qui sont dits dirigeants pour les gens, ils ne doivent pas prendre cette autorisation pour eux. C'est une obligation de sacrifier de leur vie pour dire la vérité. Pour pas que les gens après les prennent comme modèle et que la religion elle s'altère. Ce n'est pas comme le commun des gens. Eux, ils doivent patienter sur la vérité, même s'il faut en sacrifier de sa vie. Naam. Et c'est ce que le chemin qu'ils nous ont montré, rahimahumullah wa radiyallahu anhum. Et comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qui est venu après aussi, qui a renouvelé cette da'wah, cette bonne da'wah, qui est venu réformer, qui est venu appeler au tawhid, à combattre la bid'ah, et enseigner le bien, et déconseiller le blâmable. Et il a supporté, il s'est fait châtier, il a été en prison. On l'a les soi-disant savants et les juges des pays musulmans, ils l'ont rendu mécréant. Ils ont tout fait contre lui, vous imaginez? Et après, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il est venu, il a appelé à la da'wah du tawhid. Ils ont dit, il a inventé un nouveau madhab. Il est venu avec une nouvelle religion. Nous, on suit la religion de nos parents. Il était venu avec une nouvelle école juridique. Et ils l'ont combattu, et ils l'ont insulté, et ils ont essayé de le tuer, ils l'ont jeté de sa ville de naissance, et ils l'ont rejeté de partout, il a été en Irak, malgré son jeune âge, les ulama d'Irak, ils l'ont accueilli, et là-bas après ils l'ont combattu, les commerçants, ils l'ont menacé que s'il sortait pas, ils allaient le tuer, il est sorti pieds nus, dans la chaleur, il s'est enfui. Et comme ça, jusqu'à encore, dernièrement, nos ulama qui sont là pour dire la vérité, que les gens insultent de tous les sobriquets,
etc., etc. Et alhamdoulilah, il y a des périodes, par la grâce d'Allah, où il y a des dirigeants qui défendent les ulama et qui défendent leur da'wa, comme ceux qui étaient avec Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme les premiers siècles aussi de l'islam. Mais il y a des périodes où, malgré que les gouverneurs sont avec eux, ils sont touchés par la da'wa des mubtadi'a, comme un cheikh min ahli sunnah, cheikh Ihsan Ilahi Zahir, qui est un cheikh du hadith et un savant du Pakistan, qui a été tué par les Rafida, qui lui ont fait un piège, ils lui ont ramené un pot de fleurs avec une bombe, ils l'ont tué, ainsi que des savants qui étaient assis dans son assise en plein cours. Naam. Pourquoi? Parce qu'il appelait au tawhid. Et il a fait des livres et des mises en garde contre le Rafida. Il les a dévoilés d'une manière, subhanallah. Alors ils n'ont rien trouvé d'autre à parler de le tuer. Rahimahullah. Et Cheikh Ibn Baz, combien de bien il a dit de ce Mujahid, rahimahullah, et etc. Et aujourd'hui aussi, tous ceux qui appellent au bien, ce sont des salafistes wahhabistes, wahhabites, dangereux, à mettre sous verrou, à les faire taire, à etc. C'est comme ça, sunnatullah, à toutes les époques. C'est comme ça, la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que des gens veulent appeler à la vérité, on leur donne des noms. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont incriminé d'être un innovateur. Naam, c'est un innovateur, sahabi, dans le sens, il a changé la religion de nos parents. Quand il disait Aslam tout, il disait je suis devenu musulman, il dit non, t'as innové. T'as lâché la religion de nos parents. Et même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, il dit Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas un nouveau, un innovateur parmi les messagers. Je ne suis pas un nouveau. Ça a déjà existé ce à quoi je vous appelle. Naam. Fahakada. Si ça c'est arrivé aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ses héritiers qui sont les savants et à tous ceux qui appellent à cette voie-là, alors il ne faut pas s'étonner que quand on appelle watawasaw bil haqq, watawasaw bil sabr, quand tu appelles au vrai, à la vérité, tu vas être obligé de quoi? De patienter, de t'enjoindre à la patience. Tu ne peux pas faire da'wah sans patience. La patience, ça va de pair avec la da'wah. Hein? Bien sûr, avec toutes les conditions qu'il faut pour faire la da'wah, chacun selon ses capacités. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an wa an yaj'alana jami'an min al-fa'izin wa an la yaj'alana min al-khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما